Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous voyez, j'ai tout déblayé, le lit va monter. Bon, il fait encore chaud, mais ce soir, je pense que ça va bien baisser. Donc voilà, je déménage tout, ventilateur, le lit. J'ai reçu un colis ce matin, des produits un petit peu américains que je voulais tester, c'est cool. Et bah là, déjà, je vais me laver les cheveux, prendre ma douchette, me préparer, et puis on va commencer la journée. Me voilà prête. J'avoue que je suis un peu déçue parce que je me faisais un plaisir ce matin de me préparer, de faire des trucs de rangement que j'avais pas pu faire depuis les 2-3 jours qui faisait tellement chaud. Et en fait, j'attends. J'attendais, j'attendais, mais il fait hyper chaud, voire aussi chaud, peut-être parce que je me suis agitée et tout. Mais l'air, il y en a toujours pas en fait. Il est quelle heure là? Il doit être midi, pas loin de midi. Désolée pour le bruit, hein, j'essaye tant bien que mal de faire des courants d'air, donc la fenêtre est ouverte. J'ouvre de partout, je tente. Un petit peu d'air. Ouh, tu es où l'air? Faut revenir maintenant, c'est plus drôle. Sinon, demain, Eric va chercher son fils. Son fils va rester un mois à la maison. Il va le chercher à l'aéroport demain, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit peu de rangement dans sa chambre, ce genre de choses. Il faudra peut-être faire des coursettes également. Et concernant mes cheveux, alors là, c'est officiel, tout est retiré, il n'y a plus d'extension. Ça va, je peux faire des coiffures, par contre, ils sont pétés. Il faudrait presque que je coupe, je vous dis tout ça. Ils arrivent là, il faudrait presque que je les coupe là, mais je ne me sens pas du tout. Hein. Comme je vous ai dit, c'est très moche. Oh, parce que je suis blanche, il va être temps que je remette un peu d'autoconfiance. Tu manges pas? Si, si, j'arrive, j'arrive. J'ai le papier de toilette que je dois monter depuis 2 jours à l'étage, mais c'est, comment dire, faut pas y aller. Faut pas y aller, il doit faire 58 degrés, donc le papier toilette va rester là. Oui, parce qu'il y a des toilettes en haut, en bas, au milieu et en bas. Je crois que je vous ai jamais fait de house tour et vous me l'avez demandé. Mais ouais, donc en fait, on a le bas, hein, comment ça va? Cet étage où il y a mon bureau et puis la chambre tout là-haut. Je vais descendre manger et je vous montre après la commande que j'ai reçue. C'est une marque un petit peu, beaucoup d'américaines le portent, j'ai voulu tester et j'aime énormément, j'ai eu le temps, bah oui j'ai testé là tout à l'heure en me préparant, c'est canon. Je vais d'abord manger puis après je vous reprends pour montrer ça. Bébé ça, t'as vu? T'as vu, moi aussi, maman elle pensait qu'aujourd'hui il allait faire frais, j'ai dit à tout le monde, j'ai même dit à Jackie, mais non, il fait toujours aussi lourd. Bah oui, bon ça ira mieux demain Jackie. Je vais me faire réchauffer un petit peu de. J'avais fait des bolognaises hier. Et pourquoi tu manges pas ça? Tu vois, elles sont pas bonnes. Si, je mange ce soir. Ouais. C'est pour ce soir. Déjà. Ouais, c'est pas ce que tu disais hier. Tu disais que la cuisson des pâtes était bizarre. Oui. Alors. Oh là 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 là, c'est excellent. C'est meilleur réchauffé. Excellent. J'ai mal aux dents. Ça a commencé, mais là c'est de pire en pire. J'ai mal. Et la dent de sagesse en bas et celle du haut, un truc de malade. En plus, je peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Tu sais que je peux rien faire pour toi. De quoi? Je te propose une solution simple et à l'heure. J'ai pas envie de prendre Et toi, tu peux d'antibiotiques. faire plus aucun rapport. Allez, je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai pris en fait toute cette gamme, c'est la marque New. J'ai peur que vous m'entendiez pas bien parce qu'il y a et le ventilateur et la fenêtre ouverte. Bon, c'est la marque Nude Sticks que je voulais tester. J'ai vu pas mal d'américaines et ça avait l'air pas mal. C'est absolument pas un partenariat, hein. On a en relief la petite marque. Ça se présente donc dans des boîtiers. Tout est en boîtier métallique. J'adore. On a les explicatifs comme ça. Ça se présente comme ça sous forme de stick. C'est le Poppy Curl. Et c'est pour mettre aussi bien sur les lèvres que sur les joues pour donner bonne mine. La teinte est vraiment belle, c'est un petit effet corail, regardez. Comme ça rend très très bien. Et quand on ouvre, on a l'autre côté pour venir estomper. Ça fait tout de suite hyper bonne mine, je trouve. C'est vraiment le genre de produit blush que j'aime bien, ce côté un peu creamy. Ça tiraille pas. Ensuite, on va prendre ça. Ah oui, alors ça, les Américaines aussi l'utilisent comme un fond de teint. C'est pareil, c'est un stick. Je mets jamais, très rarement, des fonds de teint comme ça en sticks. Nudies, bâton estompeur teinté, c'est ça. Hop. Je l'ai mis aussi, ça fait hyper, hyper bonne mine. Donc soit on l'utilise
en correction, mais moi je préfère, ou en blush, moi j'aime bien me mettre carrément en fond de teint. J'ai pris la teinte médium 5. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est Cream Lip, donc pour les lèvres. Et dedans, regardez, il nous donne en plus ça pour venir tailler les crayons. Je trouve ça hyper cool. Voilà. C'est la teinte Love. Et ce qui est génial, c'est qu'il est tellement, tellement, regardez, crémeux. Je vais me le mettre. Est-ce que vous allez vous rendre compte de l'éclat? Je rappelle, ma fenêtre est ouverte et des gens passent en dessous. Ils doivent sortir du resto. Il est top. Hyper confort, ça c'est vraiment une priorité. Je l'ai mis comme ça, hein. J'ai un retour qui est assez moyen avec la luminosité. Mais ils sont plein de couleurs. Et le truc c'est crayon à lèvres et pour les joues aussi. Ensuite, gros coup de cœur pour celui-ci. Magnetic Matte Eye Color. Pour les yeux, j'ai pris la teinte Chocolate. Oh là là là, vous verriez la teinte. Elle est sublime. Et ce qui est top, c'est que ça... On vient très facilement l'estomper pour faire des smokies ou ce genre de choses. Oh, je l'aime beaucoup. On peut même venir ajouter un petit peu, pas des paillettes, mais un effet un peu scintillant pour donner un peu de la profondeur au regard. Ah oui, c'est sur, vous l'aurez vu, hein, c'est sur Sephora. Sur ce, je vais aller me soulager à la pharmacie. Ça fait tout bizarre de sortir. Quand, dès que je rentre, on part chez ma maman parce qu'Eric va lui installer un antivirus sur son ordi. Et en même temps, je lui prendrai un ou deux petits antibiotiques, on ne sait jamais. Si dans la nuit j'ai une crise, j'avoue que ça sera quand même du confort. Une fois. Je vais rester là. Il fait bon. Mon Dieu, il fait bon. Oh là là. Il doit faire 20 degrés. Je kiffe. Voilà le butin. J'ai donc pris du fil dentaire. C'est du fil très fin ciré. Donc pour éviter quand tu as les saignements de gencives, on sait jamais. Et en petit traitement, directement sur la plaie, c'est du girofle bio. Voilà, ça sent très fort, mais c'est quand même assez efficace. Après, elle m'a dit, évidemment, il faut aller voir le médecin si ça continue. Antibio ou quoi, mais dans mon cas, c'est assez particulier. Ah oui, on y va. On revient tout à l'heure. Amuse-toi bien sur le tapis. Hein? Moi, je me suis fait une raison avec ce tapis. Rentre ton ventre, bébé. Tu es filmé. On attend. Ah, c'est qui? Il y a la porte qui sonne. Surprise! C'est le réparateur. Alors, l'objet, Eric, dis-moi. C'est une poire. Ah, mais c'est quoi en fait? Ça sert à quoi? C'est une courge. Ah, c'est pas une poire, c'est une courge. Et on a pris ça à la foire aux lèvres. Ah bon? Ah oui. Oh, c'est marrant. C'est lui qui fait ça. Ah, t'es carrément dans le sombre. Allez, c'est le moment. Je voulais faire une petite photo. La pelouse est complètement cramée en même temps. C'est un peu normal. J'avais pas mes lunettes, moi. Où que j'aille, c'est cramé. Non, je ne suis pas certaine que ce soit une réussite. Je vais essayer ici. Je ne m'avoue pas vaincue. Il s'est mis à pleuvoir. Ça fait du bien. Il pleut. Ben voilà. Oh là là, ça fait du bien. J'ai des frissons. Bon, par contre, je sais pas si mon téléphone il est. Oh merde, dans l'œil. Je peux entrer ou c'est privé ici? On ne boit plus aux soirées, Nicole. On est rentré à la maison. Oh là là, ça c'est la courette. Vu deux jours, il faut qu'on mette du Karcher pour nettoyer tout ce qui est vert. La guirlande, ça rend pas. Et on a aussi tout plein de... Pas les meubles, mais vous savez, les coussins et tout, la petite table. Mais il y a un truc sympa à faire, je pense, au niveau déco. Il y a moyen. J'ai un gros coup de barre. Ça va faire bien deux heures, là. J'y arrive pas, depuis que j'ai pris un médicament pour ma dent.
j'arrive pas à acter. C'est aussi peut-être de m'être levée pendant 3 jours consécutifs hyper tôt. Tu dors pas. Là, je crois que mon corps, il dit stop. Oh, j'ai dormi. Je sais pas combien de temps. Là, je crois qu'il est pas loin de 20h. J'ai toujours la douleur hein, à la dent. C'est pour ça que quand je fais ça. Bah, le fais pas. Ouais. Ah, si, il faut que je vous montre quelque chose. Trop mignon. Il est complètement capoute. En fait, il a dormi avec moi au lit. Et dès l'instant où je me suis levée, il est venu me faire un bisou, évidemment. Et il est là. Bébé Salasso. Chérie ? Oui ? J'ai dormi. Ouais, bah, bien levé. Ouais. Ouais. Mais bon, un petit peu en vracouille. T'as bossé le titre ? Je bosse toujours un peu le titre. C'est bien. Il faut qu'on fasse les voix. Bah oui. Mais on fera ça peut-être la semaine. Oui. Bah on attendait qu'il fasse moins chaud parce que... Oui, oui. Je comprends plus rien. Dehors, il fait bon. Ouais, c'est ça. La pharmacienne, c'est ce qu'elle m'a dit. Je sais pas si je vous l'ai dit juste avant. Elle expliquait que suite à la canicule, les maisons avaient beaucoup, beaucoup de mal à se refroidir. Je vous ai même pas dit. On va chez McDo. Je suis en pyjama, les gars. On s'en fout ? Ouais, on s'en fout. Et voilà, bon. C'est à ce moment-là qu'on va se quitter. Je vais vous dire à demain. Là, on va regarder Casa de Papel, il serait temps. La troisième, enfin, le dernier, dernière saison. Bah, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dire très certainement à demain pour un nouveau vlog. Salut.